Eh bien, le bonsoir les potes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Du coup, nouvelle boutique comme d'habitude les petits potes. Donc c'est parti pour la boutique d'aujourd'hui qui va d'ailleurs se mettre à jour tout de suite. Ok. Du coup, on a pas mal de retours de skins. Et en plus, j'avais fait des théories par rapport au skin là aujourd'hui. Ça tombe plutôt bien d'ailleurs. Du coup, bref, passons à la boutique. Nous avons le retour du petit skin Ruby. Du coup, à 1200 V-Bucks que je possède déjà. C'est un skin que j'aime beaucoup. Avec son sac à dos qui va... Sur pas mal de skins de couleur rouge en vrai, ce petit skin voilà, il est plutôt sympathique. Il est simple mais il reste correct, je veux dire moi, je l'aime bien personnellement. Vous avez également la pioche qui va avec pour 500 V-Bucks. Vous avez également aussi le petit planeur, 500 V-Bucks également, voilà, plutôt simple, ça me sort de... Puis voilà, c'est simple comme truc, voilà. Ok, on est bon sur l'ensemble. Ensuite, on a le petit retour du petit skin tyran, que j'aime beaucoup d'ailleurs, ce skin est magnifique. C'est un des plus beaux skins, je pense, qu'ils ont fait Epic Game. Du moins, à cette saison-là, du chapitre du coup 1. Enfin, chapitre 2, excusez-moi, de la saison 1. Du coup, le skin, du coup, a 1500 V-Bucks avec son sac à dos. Le sac à dos, c'est une tuerie, les potes. J'adore le sac à dos. Les flammes autour. En plus, voilà. Et ben, alors, si vous avez beaucoup de skins dans votre casier qui sont couleur feu, lave et tout, ce sac à dos, vous pouvez aller vraiment sur pas mal d'ensemble. Donc, c'est plutôt stylé. Vous avez également, bien sûr, le skin de retour aussi féminin qui est sorti bien avant le skin garçon, quasiment un an à l'avance. Le skin succube à 2000 V-Bucks, ce skin-là est juste magnifique aussi, que je possède déjà parce que je l'avais acheté à la première apparition. Donc voilà, c'est un skin que j'aime particulièrement aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec elle, il faudra peut-être que je la remette d'ailleurs. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué avec. Vous avez également, du coup, le revêtement du garçon, du coup, symbole de feu, que j'aime beaucoup ce revêtement là, je trouve qu'il est beau. Je commence à animer comme ça, c'est voilà. Et en plus, il est couleur sombre, du coup, il est pas trop plus voyant sur la map, sur les jeux. Enfin, c'est bien en vrai. Ça, c'est un revêtement que j'aime particulièrement. Puis vraiment, il va sur tous les ensembles en vrai. Vous avez également le planeur. Oh, mais il est beau ce planeur, les potes. En vrai, je voulais me l'acheter, mais il coûte 1500 VP. C'est pas un planeur super discret. Mais j'avoue que là, je voudrais bien l'acheter. Et franchement, j'ai jamais de V-Bucks quand il sort en boutique. Donc j'espère pouvoir l'acheter la prochaine fois. Je peux pas mettre de V-Bucks pour l'instant. Donc j'attends un petit peu parce que j'ai acheté quelques trucs. Du coup, je peux pas tout acheter là, en vrai. Mais j'aimerais tellement l'avoir ce planeur. Il manque 1000 V-Bucks environ pour l'acheter. Un peu moins de 1000 V-Bucks. Et même si je dois sauver le monde, je sais pas si j'irai. Je vais essayer de rusher sauver le monde pour avoir les V-Bucks. Mais ça m'étonnerait que j'aurai le temps de le faire. Voilà. C'est quand même beaucoup de V-Bucks à avoir. Donc je sais pas, on verra bien si je peux l'avoir. Franchement, je serais ravi. Sinon bah, c'est ça pour la prochaine fois les potes. Ce petit là, oh là, j'adore franchement. Le chimère de feu, c'est super stylé. Vous avez également la pioche. Couteau du coup brûlant. Plutôt sympathique, plutôt simple. Voilà, il y a beaucoup de pioches similaires. Nous avons également le skin que j'ai, pour ceux qui ont regardé la vidéo de théorie que j'avais, du coup pour l'événement qui arrivera prochainement. J'avais parlé de ce skin là, le skin bleu Vagidator. Donc le skin que je vous ai expliqué pour ceux qui ont regardé la vidéo. Du coup c'est, comment dire, c'est un des skins créés entre guillemets par le skin méchant de le chef du coup des Alter Ego. Et c'est lui qui a créé ce skin qui a rapport du coup à la ville de Sorpy du coup. Donc si vous avez été voir la vidéo, allez voir si vous voulez. J'ai besoin de plein d'explications, etc. Et comme vous pouvez voir, voilà, le sac à dos ressemble beaucoup au sac à dos de Numec, du coup, que j'ai actuellement dans le lobby, là. Donc, le skin, là, il coûte 1500 V-Bucks. Donc, pour ma part, ce skin, peut-être qu'un jour, il y aura deux versions. Parce que là, c'est la version bleue. Peut-être qu'il y aura une autre version. Peut-être qu'Epic Game mettra une autre version de ce skin, je sais pas. On verra bien. Également, la pioche Pibidon à 1200 V-Bucks. Vous avez également le revêtement Bleuvage pour 300 V-Bucks, pas animé, donc plutôt assez simple comme revêtement. Et on est bon là-dessus. Ensuite, nous avons le petit retour. Ça date ce skin en vrai. La saison 3, il me semble, ce skin. Je crois que c'est vers la saison 3. À 1500 V-Bucks, le skin guerrière des Islands. Voilà, skin plutôt basique, dans un sens où on le connaît bien, même s'il est vieux. Ça se voit bien dans sa coupe de cheveux. C'est un skin plutôt assez vieux, alors quand même. Voilà, c'est un skin que beaucoup de gens le connaissent, je pense que ceux qui étaient là depuis longtemps sur Battle Royale. Le petit retour du skin, du coup, bah, le petit renard, Goopy, donc voilà, avec son petit cadeau à 1200 V-Bucks. Petit skin plutôt sympathique, plutôt culte un petit peu.
la danse, saupoudrage, nous sommes sur l'époque. En vrai, elle est pas trop mal, adore. J'aime bien la musique, en fait. On a aussi la petite musique de Lobby, meilleur pote. Ok. Ah oui, cette musique-là, il y avait dans le trailer, du coup, de Jolizy, le skin EDF et le skin banane. Je me rappelle. La marche joyeuse, une des danses les plus fun et puis sympathique. Musique, stop, mort, j'adore. Cette musique-là, la danse, quand tu peux avancer, pendant marcher et... C'est plutôt stylé, ma pote. Moi, j'aime bien. Bon, ça, c'est un V-Bucks, les potes. Avec, bien sûr, le petit code créateur, Jelly Gameuse, bien entendu. Et la petite danse, grand amour, que j'aime bien, parce que avec les potes, on l'a tous, cette danse. Parce que, voilà, c'est une petite danse sympathique que tu peux faire avec les potes. Quand tu dis merci à ton pote parce qu'il a donné une belle arme, ou genre de truc, tu vois. Ça, c'est des petites emotes que tu peux servir pendant la game. Et en plus, c'est pas une emote très bruyante, donc l'ennemi va pas l'entendre, vous voyez ce que je veux dire. C'est une petite danse que j'aime bien, et je crois même que tous mes potes l'ont dans leur casier quasiment. Du coup, voilà. C'est une petite danse qui est pas chère, vous le savez, Buck. Je l'avais acheté il y a plus d'un an maintenant. Je crois que je l'ai acheté en 2018, il me semble, cette danse, donc je l'ai depuis super longtemps. Du coup, les petits potes, je vous dis à demain pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de soutenir le créateur, j'ai la gameuse, donc moi-même, bien sûr. Donc, en majuscule, en minuscule, c'est pareil, les potes. Sur ce, moi, je vous dis à demain pour de prochaines vidéos. Allez, bonne nuit, bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.